des meurtres, les cadavres. Hello, Night City. Comment allez-vous? C'est l'heure du Cyberpunk 2077. Allez, on continue notre aventure. Il y en a une qui se fout de ma gueule, je vais la taper. Mais je vais la taper. Ça va, t'as fini de rire? Tu veux faire la voix? Alors, qu'est-ce qu'elle me propose? Ouh, des composants. 5000 balles. Non, le combo légendaire. Non, il faudrait deux composants comme ça. Et là, ça, c'est fait. Ouais, mais ça fait sale, non, maman? Moi, je peux pas regarder dessus. Mais ça coûte pas si cher que ça. Et puis, qu'est-ce que t'as? Ça sert à rien quoi, je vais sortir avoir les cheveux dégueulasses. Tu vois, c'est un joueur. Et mais tu vas faire quoi? Qui ça? À part quoi? À part jouer, qu'est-ce que tu vas faire? À part jouer, tu vas faire quoi? Des vidéos. Ah, ben c'est joué. Mais à part jouer. Je vais regarder maman dans les yeux. Ça. Oui. Je sens que ça va se plus cet hiver. Tant que ça. Ouais, je sais plus. Même cet été, franchement, je l'ai enlevé, je pense. C'est pas de la qualité quand même. Pas vrai? J'en sais rien, moi. Ah, regarde, c'est un. C'est toi qui as une flaque d'eau. Eh ben, maintenant on aura une flaque. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, je vais pas trop l'augmenter. Entendre quoi, mon amour? Mais parce que tant qu'on est là? Eh ben c'est bon, je peux joindre. On n'a pas qu'à entre moi. Ah mais c'est pas à moi, ok. Placide, sur le matériel, tu le changes. Un code Oda, voiture à vendre. Ah, dans mon bout. Voilà, une moto. $58,000. Et... Bah non, c'est pour toi l'appel. Je vais répondre. Ah ben on va économiser. Je peux t'aider? Non, c'est bon. J'ai presque fini. Ces cons de Raffin me l'ont bien amoché. Comment
demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Hein ? Une arme de ce calibre entamerait à peine oui. le blindage de la navie. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là, ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Pourquoi tu veux qu'on l'abatte là et pas ailleurs ? Parce qu'une fois qu'elle sera au sol, faudra la localiser et choper ta cible, sans perdre une seconde. Et à cet endroit, c'est un vrai désert californien. C'est plat, c'est sec, c'est paumé, on pourra pas les rater. Attends, on reprend tout. La clé à molette, c'est notre caisse, c'est ça ? Mm-hmm. Le cutter, c'est la navie. Le tournevis, l'endroit où la navie doit se planter. Et les pinces, la centrale EOS. En gros, le filet qui va nous servir à choper la navie. Centrale EOS ? Ouais. Va falloir s'y introduire. Ok. Pas de soucis jusque-là. Et après ? Après, on frappe. On balance une IEM à la navie. Ouais, évidemment. Dès que la navie sera à portée, on créera une impulsion électromagnétique. L'électronique embarquée devrait griller direct. Ça veut dire quoi ? Ça arrêtera les moteurs ? Ça coupera tout, y compris les moteurs. La transmission, la navigation, les systèmes de com. Tu t'avances pas un peu, là ? On peut pas savoir si la navie survolera bien la centrale. Non, je sais. Mais c'est franchement pas un souci. Tu verras. Ça va secouer un peu, mais tu le regretteras pas, je t'assure. J'ai absolument tout prévu. J'ai besoin d'Hellman vivant, oublie pas. Le but, c'est pas de pulvériser la navie, ok ? Je sais. Mais il a intérêt à accrocher sa ceinture. J'ai une idée. Si ça marche, l'atterrissage va être brutal. Parfait. On y va. Super. Monte, s'appelle. La centrale, c'est à l'État ou à une corpo ? Qu'est-ce que ça change ? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein ? Où t'es allé pêcher cette idée ? Non, attends. Je reformule. Rogue, Nash, et Raffel... Et fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors, tu crois pas ? Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'es transporté ? Putain, t'es de la police ou quoi ? Allez, réponds. Le directeur financier adjoint Caucase. Ça s'appelle faire le chauffeur. Il a voyagé dans le coffre. Mort. Mort ? C'est une longue histoire. Je te la raconterai peut-être un jour. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. Branche-toi là. Je me connecte comment, avec ma liaison perso ? Tu vois un autre moyen ? Fais gaffe au jack. Faut le secouer un peu des fois. Voilà, c'est fait. Une seconde, on va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Paname, voilà Johnny, en plein dans le trou du cul du monde. Ah, bien joué. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. Je sais. Mais t'as pas à t'en faire. C'est pas dangereux du tout. Parle pour toi. Ce véhicule dispose juste d'un logiciel de sécurité de base. Si c'est un truc évolué... C'est rien de bien évolué. Plutôt le contraire, en fait. Ah, très drôle.
ferait bien d'aller voir un charcutoc quand tout sera fini. Oui, maman. Allez, il n'y a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Hey, si t'as envie de rêvasser, attends au moins que le calibrage soit fait. Bien. Cible suivante, une seule balle. Oui, elle se repose. Ok, recommence. Une rafale plus longue. Parfait. Je crois que c'est bon. Bon, pas trop mal, qu'est-ce que t'en dis ? Je me demande ce que ça donnera sur des cibles mobiles. La mitrailleuse est calibrée. T'auras une assistance système. Fais juste gaffe au recul. Il a tendance à déséquilibrer un peu. Alors, elle est où, cette centrale ? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. Le gars n'occupe pas tes affaires, là. Maman se repose où, cela ? Maman se repose où ? Attaquer une navette corpo. Vous allez pas dehors. Un enfoiré corpo. T'aimes le son du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc ? Tu sais quoi ? Quoi? Moi, y a ça. Non, 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 non. Pour moi, dis non. Évidemment. Vous me tournez autour depuis tout à l'heure, on a dit non. On pourrait bien s'entendre finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves. Ça a l'air bon. La zone est déserte. Je vois aucune patrouille. Le truc énorme, c'est l'unité de récupération. Et tu vois ces antennes ? Chacune reçoit des micro-ondes, des satellites en orbite, qui sont ensuite convertis en courant électrique. La centrale, elle fournit toute la ville ? Franchement, j'en ai aucune idée. Je crois qu'on va vite le savoir. Mais il y en a tout le long de l'autoroute, de ces antennes. Ouais. Et c'est là que c'est malin. Elles sont reliées. Suffit qu'on plombe l'unité de récupération. Ça créera une réaction en chaîne et les antennes balanceront toute une IEM. La navie va foncer comme une mouche dans une toile d'araignée. On n'aura qu'à déclencher l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, je ferai une dérivation pour le détonateur. T'auras qu'à surcharger le système. Panam, on pourrait pas simplement faire sauter la centrale ? Bah, je préférerais. Mais une explosion déclencherait un protocole automatique d'arrêt dans chaque récupérateur. On se ferait repérer par Two Night City avant de contourner le protocole. L'idée est bonne, mais pas cette fois. Surcharger le système ? Pas de souci. Je commence quand ? Enfin, c'est pas trop compliqué, j'espère. Normalement, non. Suffit de pousser tous les réglages à fond. Tout au max et au-delà. Ok, pigé. Bon, et maintenant ? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la navie. Ok. Ok, on peut y aller. T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une navie ? À moi seul ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? La centrale, l'IEM, le système, les réseaux... T'as préparé un plan vraiment béton. Merci. Tout est dans la façon d'aborder les choses. Pour moi, c'est les triple E. C'est-à-dire ? Évaluer, échafauder, exécuter. Quelle que soit la mission, il faut faire les trois. D'abord, évaluer ce qu'on a et ce qu'on affronte. Le problème. Ensuite, on échafaude un plan en tenant compte de ses variables. On prend ce qu'on a, on trouve ce qu'il faut, on organise les choses, les gens. Et pour finir, on exécute le plan. C'est simple. Tu devrais en faire un t-shirt. Les trois E, c'est la formule magique pour avoir la belle vie. Avec une bière fraîche à l'occasion. Cette méthode, les 3 E,
Écoute-toi. Non, pas du tout. J'ai appris ça chez les Aldecaldos, Mitch et Scorpion. C'est comme ça qu'ils ont été formés à l'armée. Après, ils ont récupéré le truc. Ça nous a aidés, faut reconnaître. Un peu comme ça va nous aider aujourd'hui. Et si ça partait en couille? Eh ben dans ce cas, tu ferais mieux d'assurer. Tu crois quand même pas que je vais faire tout le boulot à ta place, non? Ben si. Pendant une seconde, j'y ai cru. Mais t'es pas croyable des fois. Bon, on y sera bientôt. Bon, je résume. On entre, on bousille le système et on dégage vite fait. Accroche-toi, ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prêt. Ok, je suis prêt. Des drones. C'est bon, je m'en occupe. Dépêche, avant qu'ils nous touchent. V, débarrasse-nous des drones. Bien, ça ira. Et c'est tout? Ouais. Si on se grouille. Trouve les commandes. Je connecte le détonateur. Grouille, V. On y allait un peu fort, Panam. Tu vas survivre. T'as vu ça? Toutes ces lumières qui clignotent. Un vrai sapin de Noël. Tu voulais que j'y aille à fond, t'es servi. Ouais. Bon, allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. V, tire-toi de là avant que la puce soit endommagée. Merci pour le conseil. Ils sont pas du ronflé là. On s'est installé pour pique-niquer et travailler. Je suis sérieux, fais gaffe. La prochaine pourrait. Pas possible ça. Johnny. Johnny. Putain de merde. C'est l'heure, maman. Les 40. Ça va, c'est bon, ça va. Mais fous le camp de là. Bon, il y aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur alors? Il fonctionne? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devra avoir une bonne vue sur les antennes. Après, il n'y a plus qu'à attendre. Ok. Ça, c'est un super 4x4 qui est là. J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance? T'inquiète, j'ai un œil dessus. Venez vous signaler là. T'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait. Quoi? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'édits. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Vous y avez des trucs, c'est pile ce que m'a conseillé le doc. Et c'est pile ce que je voulais entendre. Eh, dis donc. Yes. Quoi? C'est calme. Le bruit de la ville, les voix des gens, les odeurs. Y a plus rien de tout ça. Et avec le vent, c'est flagrant. Je crois que j'avais oublié le bruit du silence. Mmh. Pour les odeurs, je sais pas. Les coyotes, ça pue quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sortonne. Ah ah, je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la Navi. Ouvre l'œil. Bon, le truc, il est là. Comment ça me craque? Oh, t'as dû faire tout le tour du vidage, ça fait 10 fois que je te le dis. La voilà, elle arrive de Pacifica. Bon, tiens-toi prêt. Attends, encore une seconde. Vas-y,
Boum. C'est parti. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Fais chier. Fais chier. Dans le mille! Panam, les moteurs tournent toujours! Putain, ils se tirent! Ici, nulle part! Ah, il faut qu'on les suive! Une petite seconde! Panam, qu'est-ce que tu fais? Mais à cause de eux, je pense que ça y est, mais non! Et voilà le travail. Elle perd de l'altitude. C'est bon, on l'a eu cet enfoiré. On y va. On l'a eu. Après une explosion pareille, ils peuvent pas rester en l'air. Soit ils se posent, soit c'est le crash. Tu vois ce que je vois? Ouais, la vie non identifiée, elle perd de l'altitude. Mitch, place là. Scorpion. Qu'est-ce qu'il fout? Générateur, tuez, j'arrive dans pas long. La batterie devrait être réglée. Scorpion, c'est Panam. Approchez pas d'un avis. Je répète, approchez pas d'un avis. Bon, route, sinon je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Kentor. Attendez-moi. Non, mieux. Foutez le camp. Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo. Ils m'entendent pas. L'impulsion fait des interférences. Merde. Trois points sur le radar. Les drones. Ouais, prépare-toi. Ils veulent nous ralentir. Ils peuvent toujours courir. Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion. C'est bon. Arrête de faire ta chaîne. C'est clair? Madame, il y a un souci, ça tire putain pas. Putain! C'est encore enrayé. Je vais régler ça. Accroche-toi. Je mets le pilotage auto. Ta mère, il s'est enrayé. Ils sont derrière nous, Panam. Je sais. Putain de loquet. Ils veulent pas s'ouvrir. Juste une seconde. Putain. Panam. Ça y est, ça va. Oh, bon, ça devrait marcher, là. Pour l'instant, aucun. Ça devrait faire l'affaire, alors. J'ai vu derrière cette colline. Ça fait toujours un souci, moi. Oh, merde. Madame, ça va? Tant de ricochets. Tu peux continuer? C'est bon, t'inquiète. Je vais survivre. C'est mon pote, t'es où? Eh oh, Scorpion! Continue de parler sur un canal ouvert. Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois. Non, mais sérieux, quoi. Un truc qui cloche là. T'as entendu ces tirs? Fais, il leur est arrivé quelque chose. Viens, on va voir. Je vois l'épave, mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch. Allez, que je sorte là. Périmé, on dirait. Tant pis. V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère. C'est parti. Tu te connectes à la caméra? Ouais. Quoi? S'ils ont eu les Aldecaldos, s'ils ont eu Mitch et Scorpion, je pourrais pas. Je sais, je sais. Je suis connecté. J'ai le contrôle. Quoi? C'est quoi la cour? Ben asseyez-vous, hein. Elle est pas encore là. Asseyez-vous, là. Oh, mais tu peux pas éviter de se jeter sur le canapé? T'es une patate, quoi. Désolé, c'est ton clan? Ouais, c'est ça, Aldecaldos. Ouais. Bah, mais c'est quoi ça? Ils sont tous morts. Hein? Corpo. T'en fais pas, on est sûr de rien. Il un lanceur, il nous explosera la... Mitch, il est vivant, ils les ont capturés.
Et y a pas moyen de le détruire? Peut-être. Mais faut déjà l'atteindre. J'ai 5 Kang en patrouille. Drone de combat, système de défense activé. Allez, pile. Ça, c'est putain d'interférence, j'aurais pu les prévenir. Toi, tu sors pas comme pourquoi ça. Pourquoi ils suivaient la navette, putain. Ça brûlait. C'est moi qui t'as pris, Logan, je te l'ai pris le goûter, moi. Hein? Écoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore en vie. Je suis sûr que c'est le cas. Tout va bien se passer. Allez! Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche. Mais Logan, t'as plein de race, hein! Donc, à moins, il prend le cocifleur vert, c'est pour sortir. Bon, voilà le plan. Allez, tu restes dans la caisse. Hé, pas si vite! Je viens avec toi. Il s'agit de ma famille. Ça t'a peut-être échappé, mais t'es blessé. Attends dans la caisse. Je vais essayer de détruire le lanceur. Bien. Mais j'ai le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Ouais, je commence. Hein? Bonne idée. On y va. C'est quoi, c'est... C'est... Je sais pas. L'imprévu. Ça t'a énervé. Ah ouais, non, mais ça me saoule, en fait. Vraiment. Ça me saoule. C'est typique, ça me saoule. Ouais. On va les défoncer. Voilà, j'ai mangé du chocolat, je voulais manger ça. Ça t'a plu? C'est pas chocolat dans ta baraque. Non, mais toi tu vas pas aimer les KitKat. Pourquoi? Bah c'est trop sucré pour toi. J'ai mangé que ça, moi j'en mange une barre et non. Ah, tu me laisses le reste alors. Mais t'as vu, je suis généreuse. Hein. Ouais, je sais. Ouais, je voulais casser. Thank you.
La route est dégagée. Je vais vous sauver. Ouvre la porte. Je te couvre. Vas-y. Allez, reculez. Reculez. Et jetez vos armes, ou je tire. Je vous dis, jetez vos armes. Tu vois pas que t'es dans une sacrée merde? Si tu le tues, on te plombe dans la milliseconde qui suit. Si je te lâche, vous me tuerez aussi. Bute-le. Ta gueule. Écoute. J'ai rien contre toi. Lâche-le. Et dis-moi où se trouve son passager. Je sais pas où ils l'ont emmené. Mon cul, ouais. Il ment. Non, toi, écoute. T'as deux putains de secondes pour te décider. Les Aldecaldos vont débarquer d'une minute à l'autre. Ils sont partis vers la station-service, à l'ouest. Mais je peux pas vous garantir Madame. Qu'ils y sont encore. Mais ferme ta gueule. Souviens du cowboy. Putain. Madame. Oh, merde. Est-ce que t'es blessé? Oh, trois fois rien. Bande d'abrutis de merde. Touché. Vas-y, bouge pas. Je vais te soigner ça. Rien. Faut y aller. On n'a pas pu se replier, Paname. Ils se sont regroupés trop vite. Et les roquettes se sont mises à pleuvoir. Je les ai tous perdus. Tous ? Scorpion ? Il est là ? Mitch ! Mitch ! Il va bien. Pas vrai ? Paname, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Non. Non ! T'en es sûr ? Non ! Scorpion, les autres. Désolé qu'on soit pas arrivé plus tôt. C'était des gens bien. Des gens super. N'arrêtez pas de mourir ici. J'aurais dû l'arrêter. J'ai essayé. Il t'aurait pas écouté non plus. Écouter, ça a jamais été son truc. Putain, tête de... Bon, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la Navi. Mais qu'est-ce que vous lui vouliez? Tout va bien. T'as besoin de quelque chose? Merci d'avoir sauvé mon cul, V. Désolé pour ton clan. Mais je peux pas rester ici. Pourquoi vous vous êtes jeté sur la Navi? Vous avez pas vu les logos? On a vu qu'elle était endommagée, et comme on connaît le terrain, on savait où elle allait tomber. Et on n'avait aucune idée que c'était Kang Tao. Je me suis dit qu'ils auraient peut-être besoin d'aide. Et au pire, qu'il y aurait du bon matos à récupérer. Je me suis bien foutu le doigt. Je recherche l'homme qui était dans cette Navi. Le pilote a dit qu'ils étaient partis vers l'ouest. Ouais, ils l'ont emmené avec eux. Dans nos caisses. Le pilote montait pas. Il y a une vieille station-service par ils là. Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base. C'est vous qui leur avez balancé cette IEM, alors? Ouais, on a voulu vous prévenir, mais pas moyen de se connecter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, V? Je vais les poursuivre. Reste avec Mitch, je me débrouillerai. Je viens avec toi. Je t'ai promis de t'aider. Et puis, ces fils de chiens ont tué Scorpion. Je peux pas laisser passer ça. C'est pas discuté, V. Ça sert à rien. Allez-y. Je vais appeler le clan. On va faire ce qu'il faut ici. On laisse ma caisse ici, au cas où. Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer. On va y aller à moto. Ouais, ça marche. S'ils ont atteint la station, ils attendent sûrement des renforts. Dépêchez-vous. Paname. Ouais. Tu reviendras la chercher, hein? C'est promis. Faut y aller, avant qu'ils envoient une équipe de secours. Je vais t'aider, tu te venger, c'est pour ça. Fais! Je me demande pourquoi faut tu m'as pas planté. Bouge. C'est vraiment juste histoire de te venger? C'est important. Je veux choper les bâtards qui ont tué mon ami. Et je t'ai aussi donné ma parole. Et puis, sans moi, t'as aucune chance de réussir. Pas faux. Elle est belle. Merci. Je vais les massacrer, V. Tous, jusqu'au dernier. On est dans la même galère. Et on ira jusqu'au... Joli cul, mon amour. Tu sais quoi, V? T'es réglo. Tu m'as aidé avec Nash et avec Mitch. Moi, c'est clair, j'ai une dette envers toi. Ton Hellman. Je vais prends-les dans mon porte-monnaie. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tu veux juste payer ta dette? Non. Les nomades aident toujours les leurs. Oh, parce que je suis un des vôtres, maintenant?
C'est cool. Allez, on fonce jusqu'à cette station. J'espère que tu connais un raccourci. Prépare-toi. Les motos sont OK. Allez, monte. Scorpion disait que je détesterais Night City. Il te connaissait si bien que ça? Sûrement mieux que je me connais moi-même. Il disait que quand j'en aurais assez de la ville, on se trouverait un camping-car. On ferait le plein et on prendrait la route. Direction Crater Lake. C'était son rêve. Un coin magnifique, il paraît. Et la caisse de Ryan Dimmer serait en train de rouiller au fond. Hein? Qui? Un corpo. Il avait volé un prototype. Un Militech, je crois. Ça te dit rien? En bref, ils l'ont poursuivi à travers trois états. Tout ça pour repêcher son corps au fond du lac. Il s'est mis une balle? Ça m'étonnerait. Ils ont dû lui balancer un virus. En tout cas, il a perdu le contrôle. Il a sûrement suffoqué avant de se noyer. Putain, quelle histoire! Bon, ça doit au moins changer les idées deux minutes. C'est toujours ça. Bien là. Je vois. Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Hé, tu vois ça, V? Les pompes ont l'air en bon état. C'est pas le cas dans une station. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Plus tard, mon amour. Ah, c'est le snipe là-haut. Là, trop de monde. Ça va être tant d'ex. Il va falloir faire ça petit à petit. Alors, ma femme m'a dit qu'elle m'appelait.
Des drones, des patrouilles. Ils sont bien là. Je vois. Ils ont sûrement dû enfermer Hellman quelque part. Tu vois ça, V? Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le... Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Je vois des caisses. De nomades. Mmh. Je les reconnais. Elles sont au clan. Il tourne là-bas. Aiguiller le... Je peux pas passer par ici. Quoi ça, briser la clôture? C'est quel symbole? Ah, capacité technique, d'accord, pour 7 points. Nous, j'ai full constitution, athlétisme. Plus vite lorsque vous êtes en mouvement. Régène de santé, régène de santé. Perdu.
J'ai pas capté que j'ai joué. Je suis tombé devant les mecs. Je tirerai pas. Je suis pas armé. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est ma station. Je m'appelle Marty. Ces putains de costards ont débarqué. Comme s'ils étaient chez eux. Ils ont tout pris. Et ils m'ont enfermé ici. Vous avez pas l'air trop inquiet? C'est pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai plus qu'à m'épousseter et à me remettre au boulot. Ils ont emmené un homme, un civil. J'ai besoin de lui. Vous l'avez forcément vu. Je suis pas bigleux. Où est-ce qu'ils le gardent? Le vieux garage. Ils ont dû le mettre dans la pièce, à l'étage. Merci. À votre place, je resterai là pour l'instant. Eh, j'y comptais bien. Ça y est, je sais où ils gardent Hellman. J'entre.
Ok, je te cours. Qui vous envoie ? Hé, du calme. Faut qu'on cause. De qui ? Yorinobu Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou... Sauf qu'on aura plus personne vers qui se tourner. Il est à court d'options. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Pas un de tes fans, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka. Ça a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quand t'aurais Hellman. Une seconde. C'est bon, je l'appelle. Oublie pas que tu tiens Hellman et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie. T'as oublié ? Parce que c'était dans son putain d'intérêt, tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Takemura ? Bonne nouvelle, j'ai Hellman. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est en vie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Entendu. Au revoir. Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer. T'as raison. Tes nouveaux Chumba sont là. C'est lui ? Aucun doute. Emmène-nous dehors. Fous-le sur la moto. Bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques sales décaldos. RAS, personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser. J'espère que ces réponses en vaudront la peine. Saul. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais... Je peux faire quelque chose, me rendre utile ? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi ! Montre que t'en as rien à foutre ! C'est tout ce que tu sais faire, hein ? Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention, je suis pas ton pote, d'accord ? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute. C'est moi qui ai fait tomber cette navie. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Bordel de merde. Eh, hey, fais pas attention à Saul. Ça lui passera. J'en ai rien à foutre de lui. Ouais, mais lui, Panam, il s'en fout pas de toi. Dès qu'il a su ce qui s'était passé, il nous a ordonné de vous suivre. Parce qu'il avait peur qu'il t'arrive Saul. Quelque chose. C'était son... Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Arrête. Tu sais bien que oui. Reviens avec nous.
Ouais, je comprends. Désolée que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Hein. Très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok? Et maintenant, tu vas retourner à Night City? Ouais, enfin, je crois. Faut que je me pose. Que je réfléchisse à tout ça. Saul, Mitch, ils te traitent comme un membre de leur famille. Pourquoi tu leur donnes pas une chance? C'est pas si simple. Comme dans toutes les familles. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. Je me tire aussi. Prends soin de la moto de Scorpion. C'est la tienne maintenant. Je suis où, là? Un motel. C'est quoi cet endroit? Vous pourriez être plus précis? C'est pas important. Tu repartiras pas d'ici tout seul, de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je veux qu'on cause de ta petite invention. Ta biopuce pour Arasaka. D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. Y a personne qui m'envoie. J'ai un problème et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce? J'ai le construct de Silver End dans le crâne. Il est en train de me rendre dingue. Et je sais que ça fera qu'empirer. Sauf si je l'enlève. Elle parle pas de ça, les filles que j'ai vues. Même en petit caractère. Construct de Silver End? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce? Je l'ai fauchée à Yorinobu Arasaka. Un boulot pour une cliente. Mais elle m'a planté. Et vous vous êtes dit que le mieux à faire était de vous l'enfoncer dans le crâne? C'était pas une mauvaise idée, en fait. Le construct m'a redémarré quand je me suis pris une balle dans la tête. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non? Alors c'est quoi le problème? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Je sais que tu peux pas l'extraire d'un coup. Mon cher Q-Doc m'a dit... Vous avez montré ça à un stupide Doc Deru? Qui d'autre est au courant? J'avais besoin d'aide. Tu crois peut-être qu'abattre une navire de Kang Tao, c'est le premier truc qui me soit venu à l'idée. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype? Un engramme différent? Quelque chose de plus... conscient? Agressif? C'est la biopuce qui est unique. Pas l'engramme de Silver End. La version précédente de la puce... ne servait qu'à communiquer avec des engrammes préenregistrés. Et c'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Elle était censée fonctionner comment, cette nouvelle version? L'engramme devait éjecter les gens de leur propre corps? C'est ça que cette puce de merde est censée faire? Durant les tests, nous supposions que le corps serait... indifférent, neurologiquement, pendant l'implantation. Mort, tu veux dire? Oui. C'est pourquoi ce qui vous est arrivé est très intéressant. Ça se fixe comment, le prix de l'immortalité? De toute façon, qui pourrait se payer une tech pareille? Personne. Cette technologie devait rester en interne. Le prototype était une commande de Saburo Arasaka. Il a supervisé personnellement tout le projet. Donc sans Yorinobu, personne n'aurait été au courant. Et sans vous, ce projet n'aurait pas été une réussite. Nous avons fait un grand pas en avant. Ouais, super, ta tech fonctionne. Maintenant, tu la vires de ma tête. Eh ben... il faut d'abord que je la voie.
Voilà, on se connaît à peine. J'ai pas encore assez confiance en toi. Comment vous envisagiez les choses, au juste? Si vous voulez que je vous aide, je dois vous examiner. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde. Impressionnant, hein? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Alors, comment m'en débarrasser? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Ouh, oh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Attends, tu disais que le projet était en phase d'essai. Alors tu peux pas savoir comment ça va se terminer? Oh, si. Je viens de voir le construct dévorer votre cerveau. Il est programmé pour envahir son nouvel environnement. Coûte que coûte. Et votre petite cervelle ne peut rien contre lui. Alors dans tous les cas, l'engramme finira par l'emporter. Oui. Et d'après ce que je sais sur Silverhand, ça semble parfaitement lui correspondre. Ah, je vois que j'ai acquis une réputation légendaire chez Arasaka. Il se passe quoi dans ma tête, au juste? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silverhand. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez? C'est bon, t'as fini? Je prends mes décisions tout seul. Johnny est qu'une voix dans ma tête. Il est peut-être pas de cet avis, mais il peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit. J'approuve à 100%. T'es un autre complètement buté. Je ne dis pas que l'un de vous a le dernier mot. Mais la balance penche, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins, pour celui que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qu'essaye de t'embrouiller le cerveau, voilà là? Pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins, Johnny a jamais vendu son cul. Pas comme toi. Vous le défendez? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent? Oh, que je devine... Il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit non. instant. Et ça te dirait pas? Ça pourrait être amusant. Johnny! Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. C'est quoi, ça suffit? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête, et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Tâchez. Ça me suffit pas. En fait, j'ai l'impression que tu veux m'utiliser comme ticket d'entrée chez les Chinois. Vous avez une idée de la quantité de données qu'il y a dans votre tête? Même si je ne peux pas vous aider, il faut sauver ces données. Putain. Ce pauvre couillon vient d'admettre qu'il veut te la faire à l'envers. Oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien, sinon. V. Taquez-moi? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il saura peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas.
C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? Je n'ai pas encore décidé. Non mais t'es sérieux ? Tu me connais, je suis parfois impulsif. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Bon. Oh, quelle chaleur. J'ai la gorge complètement desséchée. Maintenant, passons. V ne vous a même pas donné un verre d'eau. C'est inacceptable. Inhumain. Avec moi, vous allez voir la différence. Je vais vous donner des seaux entiers. Non, c'est pas la peine. Ah, c'est quoi ça ? Putain ! Assieds-toi, bordel ! C'est quoi ? C'est la biopuce ? Ouais, ça ? Ou alors je suis enceinte ? Ah, t'es sûr ? Ça doit pas être si grave, si t'en rigoles. Putain ! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Je sais. Anéantir Asaka, détruire Nikoshi, bla bla bla. Hé, hey, t'es vraiment en train de devenir comme moi. T'as peut-être raison. On n'arrête pas de s'engueuler comme deux petits vieux sur le banc d'un parc. Je crois qu'il serait temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Allez, foutons le camp d'ici. Tu peux être charmant quand tu veux. T'as du charisme. Mais je me souviens de cette bombe que t'as fait sauter en plein centre-ville. Sans hésiter. Sans remords. C'est Mikoshi que je visais. Je voulais la détruire. J'ai laissé assez de temps à Arasaka pour évacuer le bâtiment. Tu savais qu'un tas de gens allaient mourir. Fais pas semblant. Toi aussi, t'as pris un paquet de vie. Tu crois que c'est le nombre, le problème ? C'est vrai. Peut-être qu'on se ressemble. Non, on est différents. Ce jour-là, dans la tour Arasaka, j'ai eu aucun doute, aucun regret. Tu peux dire ça si tu veux, mais je sais très bien que c'est faux. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survis. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment ? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Ouais. Ça t'a fait comment ? Quand t'es mort ? J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps, t'as mis 50 ans à imprimer ? À Mikoshi, c'était comme si je dormais. J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois ? Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Ou je confonds avec ta mort. Mikoshi. Je reviens. Pourquoi Arasaka l'a construit ? J'aimerais être dans la tête de Saburo Arasaka pour te le dire.
Tu peux acheter les gens, leur laver le cerveau. Mais il n'y a qu'à Mikoshi que tu peux observer leur âme, la disséquer et la reprogrammer. Ils ont amassé une sacrée collection. Des runners ultra doués, victimes du tueur d'âme, puis enfermés. Ils doivent se servir d'eux maintenant, les contrôler. Alors c'est ça leur but. Avoir un contrôle total sur les gens. Classique. Asservir les gens a toujours été un but des corpos. Mais l'ambition de Saburo va encore plus loin. C'est l'humanité tout entière qu'il veut contrôler. Bon alors, t'es prêt ? Alors. Je comprends. Mais pourquoi tu détestes cet endroit ? Il devrait pas exister. Les corpos font souffrir les gens dans le monde entier. Mais ce qui se passe à Mikoshi, c'est pire. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es enfermé pour l'éternité. Ça s'arrête jamais. Non, non, rien n'est éternel. Et les prisonniers de Mikoshi n'ont aucune notion du temps qui passe. Le pire, c'est quand on change ton identité et que tu sais même pas que t'es devenu quelqu'un d'autre. Les corpos se sont déjà emparés du monde. Et maintenant, c'est nous qu'elles veulent. Tu réalises que ce que t'es en train de me faire, c'est ce qu'Arasaka fait à Mikoshi. Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux arranger ça. Bon, allez, on se remet au boulot. Ok, c'est parti. Alors, au niveau de la quête principale, on en est où ? Alors, un petit niveau supplémentaire. Très simple, je vais prendre niveau 20, niveau 18, niveau 20. Pas mal de trucs ici qui est sûr que je vais prendre. Constitution. Tissement aussi. Arme de poing. Je gagne pas mal de points aussi. Après, j'augmenterai les réflexes. Non, c'est toujours parce que c'est... Toujours petite une, inventaire. Sac. Tout ce qui est en blanc, je vais le détruire. Non, je vais le vendre. Ça fera minimum de blé. Ça, tout ce qui est après à partir du vert, je commence à démonter. Ouais, peut-être que je récupère. Mitraillette intelligente, non, je ne sais pas. Et ça, c'est une arme iconique, je crois, c'est ce que je me souviens. Plus. Rare, iconique, ouais, c'est ça. Tout ce qu'en blanc. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Bombe rechargeable classique. Voilà. Donc, tout ce qui est en blanc, je vendrai. Donc là, c'est vert.
42 points. Vous sentez, il y a plein de trucs que j'ai vendu ici. Ça, c'est les grenades. Ça va voir si c'est des meilleures améliorations. Du coup, inventaire. Hop. Ça. Là. Le module. Là, un pourcentage de chance critique. Cadence de tir, cadence de tir. Ah, un cadence de tir, c'est intéressant. Vous voulez vraiment changer le module actuel, sera détruit, non. D'accord. Deux mètres. Alors, mais on va s'arrêter là pour ça. Attends, ma réputation, Miyoshi, le temps de presse 20%. Au journal, j'ai ça, quête annexe, j'ai pas mal de quêtes annexes à faire. Un contrat très dangereux, cyberpsycho, vente de véhicules, appartement, ok. Mais j'ai quand même chopé la moto de l'autre, ok. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. J'aimerais bien quand même faire quelques quêtes annexes, pourquoi pas. Voilà. Me faire de la thune. Je vais me faire de la thune en fait. La prochaine vidéo, ça va être faire plein de quêtes secondaires pour se faire de la thune. Allez, on va partir sur ça. Allez, merci de m'avoir suivi. À plus et ciao.